Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Les lotos Ali, les quantièmes aujourd'hui. Nous sommes à, je crois, le 12 février 2023. Nadingina réagir na likambo moko ezo sala tole o tolobe la kabino déjà depuis kala. D'abord, vous allez m'excuser parce que, en tout cas, je ne suis pas régulier. De plus en plus parce que je suis dans un autre projet qui me demande assez beaucoup de temps de concentration pour tout monter en haut. Dès que je vais finir, je vais recommencer encore à venir une fois de plus régulier na contact pro live. Donc, vous allez m'excuser, mais l'actualité oblige. Je suis obligé de vous répondre et puis de réagir sur cette actualité qui commence avec une certaine vigueur. Donc, Zako éclabousser Babilo Kwebele Bele, mais Bissot a déjà un contact pro life Tolobela Yango. Tolobela Nini, Tolobela Likambo, oh ya Likambo en négociation. Bozo Mona Sikoyo, ça commence à être vraiment officiel que notre gouvernement en République démocratique du Congo, Bakomi Sikoyo, na modèle oh ya Kolobakeno, Rouma négociation Ezali. Bakomi Kolobakeno, Bako négocier. Ils commencent à avouer qu'ils vont négocier. Mais nous avons peur de quoi? Nous avions refusé ces négociations-là. Bango ba refusa ki négociation pour nanini parce que eux, ils prétendaient que non, bazana makoki akosala bitumba. Donc, ils étaient prêts à la guerre. C'est comme ça que vous aviez vu tout feu, tout flamme. Félix Tshisekedi dira que non, ceux qui congolais moko akufi moko. Je vais réunir la chambre du chambre basse et la Sénat Bape Sangai permission d'attaquer Rwanda. Mais il se trouve que maintenant il est coincé parce que il ne peut pas attaquer le Rwanda, il n'en a pas les moyens. Ce n'est pas Bibundeli ou bien Batunde Bazangi, mais la formule d'aller en guerre, c'est autre chose. Je crois qu'il commence à réfléchir à nouveau. Pendant qu'il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, nous insistons ici à dire que négociation, oui, mais négociation nanani. Voilà maintenant, aujourd'hui, nous allons vous donner le piste des solutions pour de bonnes négociations. Pourquoi nous allons négocier? Qu'est-ce que nous allons négocier? Et ça, ba négociation, on a été à Kala, oh, tozo kende ko solana ba M23. Non! C'est pas ça! Détrompez-vous, la négociation dont nous pensons que ça doit être en place, et ça va négociation intercongolais. Nous devons nous parler, nous les Congolais, pour que nous puissions aboutir à la 4e République. La négociation, comment on appelle ça? Les pourparlers intercongolais. Va nous obliger à bâtir un nouveau Congo, à repartir sur une nouvelle base. Mais où est-ce qu'on banque ça, Félix Zanini? Ezali que Azako banga que à perdre Bokonzi. Or Bokonzi ango koki kozala na ango te ke na mboka oyo eza na ba makambo ya mbilinga boete. Beaucoup de gens bazoyeba te négociation ango ndenge nini ango foto kendele. C'est là où il faut maintenant utiliser les intelligences. Et nous avions proposé une suite, nous avions proposé une piste de solution en disant, oui, nous devons négocier, mais nous ne devons pas aller négocier avec Kagame. Nous ne pouvons pas aller négocier avec les groupes armés. C'est depuis 2020 que Tozolo Balikambu Oyo. Refondons le Congo afin que nous puissions aboutir à une 4e République. Na 4e République, on a des Tokotiava fondement de base. C'est-à-dire quoi le fondement de base? Retoucher les institutions, le fonctionnement de notre pays. Rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est ça que nous pensons que oh, et qu'on sauve Mboka Nabiso. Pas aller négocier avec Kagame. Nous ne devons pas faire ça. Sinon, nous sommes en train de nous mettre encore le bâton dans les roues. Le Congolais ne se retrouvera pas. Vous n'avez pas aucun moyen. Bon, aucun de Kosololana, Kagame Nini. Kebitumbe si là. Ce qui bokepa na, c'est-à-dire que
bomi zab donc bomi zobabi sokunde katumbi abandaki koloba. Vous allez vous faire chier là-bas. C'est pas à lui de résoudre vos problèmes internes que vous avez en République démocratique du Congo. Comment saurons-nous que nos batou otoza kosolana bango bazaba congolais? La négociation ne peut pas être une négociation au binoboti kamandoki, nous allons partager le pouvoir, nous allons faire... Non! La piste de solution que nous nous conseillons à Kinshasa, c'est quoi? C'est que nous puissions entamer des pourparlers intercongolais, c'est-à-dire résoudre les problèmes de base, les problèmes de gouvernance, les problèmes, il y a institution Nabiso. Refondre le Congo, c'est ça le pourparler que nous pensons que est quoi aboutir. Et président Félix en a les moyens. Il peut appeler ces assises là que nous appelons ici les états de lieu de chaque territoire pour que tout identifier tout déceler problème à identification à Bana Congo. Et c'est cela que c'est dans cette optique là que nous pouvons terminer la guerre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous appelons le peuple, dans le pourparler, sur toute l'étendue de la République. Si tu es congolais, kende na katia territoire na yo, kende kuna, boyo kana, bo vanda ensemble, bo tonga mboka yasika. Que les gens puissent parler sur un nouveau Congo. Et c'est au cours de ce genre de ces négociations-là que nous pourrons maintenant nous dire que bon, ok, pendant que comme président de la République, ça sera des élections à deux tours. Donc nous allons pratiquement revoir notre pays dans l'ensemble. Et là, c'est ça la négociation que nous voulons. Et la négociation, c'est que, non, nous allons causer avec les groupes armés. Nous ne réserverons absolument rien. Nous devons chercher à résoudre les problèmes dans son entièreté en République démocratique du Congo. C'est-à-dire... Félix peut entamer en se disant, bon, nous appelons les états de lieu de chaque territoire où les gens vont se réunir, vont se parler, vont prendre des mesures qui affecteront leur territoire. Et parmi ces grandes mesures-là, ça sera une ébauche de la Constitution et effectivement, Tobanda, nanani, comment on appelle ça, donc identification à population. Bah si zoana chaque conférence na katia niveau ya ba territoire bokozwa d'abord problème ya ko ça la ébauche à une nouvelle constitution qui vous donnera le pouvoir binomoko bokoloba awa biso tomoni boy awa ba institution na biso tomoni ki faut banda ko fonctionner boy awa biso tomoni que président de la république za la élu boy awa biso tomoni gouverneur à province sur toutes les matières qui contiennent la constitution. Il faut que les congolais puissent se parler, il faut que les congolais puissent réfléchir sur l'avenir de son pays. C'est comme cela que nous nous sommes dit babilo ko ne ko ko kende na batumoko boyete Tshisekedi, si vous faites une erreur d'aller négocier encore pour que la paix, la guerre termine à l'est et que vous allez causer avec le M23, ils vont vous faire chier. Ils vont vous faire chier, ils vont vous donner des conditions. C'est pour cela que nous nous sommes dit, na katia ba état de lieu, renvoyez plutôt, ba tuana ba kende kosolo la paix. Ces gens-là doivent parler entre eux, ba tuana fou ba solo là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être inclus dans ma solo de base yaba congolais. Partout au Bazali. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Et qu'on s'allait n'engénine, par exemple, dans la zone où Bango va occuper. Non! Comme ils se disent qu'ils sont des enfants de ce pays-là, nous devons leur dire que bon, ok, ba revendication na bino nyonso. Vous allez les traiter où? Allez les traiter maintenant. Au niveau des territoires dans où vous êtes, botier babilo kwa nanyo so bolobi biso tolingi boy botolingi boy bolingi boy. Et puis maintenant, c'est dans les territoires ces résolutions là, vous allez envoyer les gens pour défendre ces résolutions là qui sera une nouvelle constitution na côté anani ya province. Ba tu ya province mususu ba koya na ba territoire mususu totier babilo kwa ensemble, les intellectuels vont harmoniser le texte.
C'est ça que nous appelons la constitution. Et pendant ce temps-là, maintenant, vous allez voir que maintenant, musala ya gouvernement central et kozala nini, ko pesa siko na ba territoire, on a ba moyen pour basa la identification à population, en fait que to yeba, au niveau que tant ou toza ko débattre, nouvelle constitution, na niveau à ba province, ba tu ba harmoniser ba, ba texte na niveau à ba province, ba kozwa ba texte wana ba harmoniser ango maintenant wapi, na niveau ya ba, ya gouvernement, ya nani ya, il y a central quoi. C'est là où nous allons pour peut-être trouver une solution en disant bon voilà, nous avons fait maintenant nani donc to sali na biso nani réaménagement donc ba institution to réfléchir, voici l'ébauche que nous avions discuté au niveau des territoires, au niveau des provinces et que nous pouvons harmoniser au niveau national. Tant que tu as harmonisé texte à un niveau national, c'est dans ce niveau national là que nous pourrons maintenant nous dire que ok, voilà ce que nous pouvons adopter comme constitution à Sika, mandat à président, tout ça, et que tout est toyokani siko yoko. À ce moment-là, bah identification bah population na bah province na bah territoire et qu'on l'a déjà faite et nous pouvons avoir maintenant une base solide ce qui pourra nous permettre tant que nenet na bah élection à quoi élire président de la République tout ça la boue c'est ça justement que nous pensons que la négociation faut que nena modèle en angoana mais ce qui toque na bah négociation tant que ne consolera na bah groupes armés tant que ne consolera na bah boue nous n'aurons rien fait tant qu'on bougeait l'autre côté. Nous serons obligés peut-être à konlobaka la constitution moko parce que le grand problème en République démocratique du Congo c'est que nous pensons ezako uta wapi ezako uta justement na constitution na biso ezako uta na mbilinga ondenge tozo gérer mboka na biso. C'est comme cela qu'il faut penser à une nouvelle république et repenser comment est-ce que nous pouvons y arriver. Mais ekoki kozala apanage abatu moko boete engager tout le monde. Alors pour terminer avec ces guerres ou bien bah insécurité na ba région kuna na ba province kuna, comme ils se disent comme ils sont des Congolais, ok, maintenant nous allons amener tous les problèmes des Congolais dans un panier en résolvant yango na kati ya ba territoire na biso. Chaque territoire est koya ko solo la robi biso to lingi boy biso to lingi do. Nous nous sommes parce que par exemple na lo babatu ya M23 ba lingi kaka ba négocier na Kinshasa. Pourquoi ils doivent pourquoi est-ce qu'ils doivent aller causer avec Tshisekedi? Parce que Balingi va partager le pouvoir na Tshisekedi. Non. C'est pas ça le grand problème, ce n'est pas en partageant le pouvoir qu'ils vont résoudre les problèmes de tous les Congolais. C'est pour cela que nous sommes contre cette négociation. Oyo yangwana tolobaki. Et puis pourquoi Tshisekedi aujourd'hui il se tourne? Population zakolinga tokene na guerre. Mais il a mesuré. Il a rejoint pratiquement nani la voix de la raison. Nous lui avons dit ne vous mettez pas en guerre. Aucun de toi mais quand aucun de ça la guerre na Rwanda. Bakobeta biso. Na modèle otozali armée na biso ezanango d'abord infiltré. Toza na ba tuebele tozo e bate baza ba Congolais bananite. Or na ba négociation otokoloba par exemple na ba état de lié à chaque territoire. C'est par là que nous serons qui est Congolais qui ne l'est pas. Yangwane kozala tokoye ba nani nde aza Congolais nani aza Congolais te. C'est par là que nous saurons dire par exemple que non, écoutez, bino bato boyaka boye, bino bato bozana ba terre boyete, nous allons nous définir et nous allons nous entendre. Mutoa zana mabelete, soka lingia za la Congolais, nous allons réfléchir comment résoudre ce problème là. Et à ce moment-là, nous pouvons être tranquilles. Bandeko, moi je pense que la communauté internationale est en train de nous regarder pour que nous puissions avoir des solutions bien réfléchies. Pas des solutions qui va comme ça. Bino bato boza koloba tokene na bitumba, tokene na bitumba, ça va nous aller où? Toko kende wapi na bitumba wana? Oh, tozo kokate. Bon, entre temps, bozo lo bato kene na bitumba. Soki babeti biso kuna bolobi o trahison, bato bazo trahir biso. Oh non, soki tozo kende. Oh, il faut s'armer. Vous allez vous armer avec quelle armée? Oh, bino moko boza koye bake. Armée, oh, eza armée moko. Eko ki kolongi sa biso bitumba te.
C'est comme ça que nous disons, il faut que nous puissions avoir des mesures. Babylon, comment qu'on réfléchit, nous ne pouvons pas aller en guerre comme ça sans que tout utilise Moutou. Nous avions conseillé au président de la République qu'il ne peut pas aller en guerre avec le Rwanda dans l'armée où il y a Bissot et Aboué. Il faut que nous mesurions. Il faut que tu mesures tout à l'état de lié armé Nabiso. Est-ce qu'armé Nabiso, à ta tosombi mindou qui andenge nini? Il sera difficile à ce que tu siris à l'Ikambouana Est. L'Ikambouana Est est aussi la Namando qui t'est. Nous l'avons dit et nous avions conseillé au président de la République. Mais bah, tu as mouté ma mabe, bah, tu as oh, balingi que situation est perdurée. Bah, zolinga batindi ka abiso kaka na makambo abanani, makamboyo, yakobunda. Tokoki kobunda te. Nous ne pouvons pas faire face au Rwanda. L'armée rwandaise est bien organisée. L'armée rwandaise, elle est équipée. L'armée rwandaise, atat au fundi bango na États-Unis, ça sera net il kambo à Israël, ou bien makambo net à Ukraine. Et il faut éviter de cette histoire-là que nous pouvons résoudre les problèmes d'une autre manière et bien réfléchir. C'est comme ça que nous conseillons au président de la République, please président de la République, zoaba mesure moko bien réfléchi à Koloba. Tozo kende wapi, mboka na biso eza ko wapi. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir pour le pouvoir, ça n'a pas de sens. Voilà, nasuki wana lelo en tout cas, espérant que bo s'abonner na nwebele. Bo s'abonner pendant que toza penza disponible teme. Vraiment abonnez-vous parce que biloko pe toza ko sala, je crois que eza ko propulser ben chaîne na biso. Donc Moussa les a ébellés, mais entre-temps, ne nous laissez pas. Nous viendrons petit à petit, peut-être deux ou trois fois par semaine, nous allons encore commencer à intervenir pour te réagir, surtout dans l'actualité. Boza ébellé, boza koutou, nangai, germo, le kiwapi, oza wapi. Voilà un peu que je condense, je vois les commentaires, nazako répondre bino mouke mouke. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour Pobatou ébellé, oza ko bengangai. Je suis là. Je suis toujours dans les combats. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.